trying to tell me. That's what I'm saying. Come in, get comfortable. We are, as they say, are we on Africa time? We are relaxed. We will not rush ourselves. Don't tell anyone I'm drinking coffee in here. I hope you all are staying well. The Hilton was well. Many of you are staying at the Hilton. I hope that was okay. I hope your travel here was okay. If there are any challenges, I'd be glad to help as much as I can. No. There are people. We have translators here. Did you get your headsets? There's 40 headsets. So if you're bilingual, you don't need one. But we do have our first speaker en français, Alain Larec, will be in French. And if you're like me, you'll need the headset. Yeah, okay, right there. Now. I should get the schedule out. Christopher, our third speaker, are you here? Christopher? You are our third speaker? My friend, we need to. We've only met by email. This is a lovely large auditorium for us. I'll give it another minute for people to come in and then I'll start. By way of background, we were supposed to have this Chapman at AGU headquarters, but the building is not done. They are renovating the building. We were going to be their first large meeting and it's not done. So they arranged for us to be here. And what a lovely space this is. This is really wonderful. It's bigger than the space we would have at AGU headquarters, so this works well. And let's see here. I assume everyone is okay with the translation? No? Interpretation? No. It's not working. I need to be on the mic. Because they cannot hear me in the windows if I'm shouting, but they can hear me if I'm on the microphone. And I'm getting the big thumbs up. Thank you, upstairs. You're awesome. So I will probably try this one. Oh, now the light's in my eye. Can you use this one? Can you hear me with this? Good. So if you like to wander around like me, you can use the portable mic. We'll have to be careful with feedback on that mic. You know, let's get started. I think it would be better for us to just start. People will come in as they get here. This is about the size. Maybe a few more people will show up soon. So I'll switch over to the other mic. Okay, so welcome everyone. I'm really glad you're here. Welcome to our Chapman. This is a relaxed thing, as you can tell already. We're not going to be like a typical AGU meeting where we are rigidly structured. And so, welcome. Our themes, of course, are hydrology, but we have other topics that I think are important to cover in our six sessions. And so we'll talk about climate, precipitation, rivers, wetlands, carbon, deforestation, and water resources in our various sessions. What I would like to make certain we do is that we integrate between these with each other. So, bonjour, mes amis.
I will allow you to read or interpret upstairs. Welcome. Hello, my friends. Welcome to our AGU Chapman Conference on the Congo Basin. My name is Doug Alsdorf. Please call me Doug. Please introduce yourself to me. I very much want to meet you. I want to talk with you. I want to have conversations and share with each other. Je parle un petit peu, j'écrivais un petit peu, emphasis un petit peu. This is a wonderful map. I love this map. Hopefully you all got a copy of this map. It's on a piece of paper down at the check-in desk. Please get a copy of this map. And when you're talking with colleagues here, with friends here, you can point to the map and say, oh, well, I'm here in Kinshasa, and I would like to study over here in the cuvette. And you can use the map to point to the places that you study and that are important to you. Use the map as a tool. And I'm very appreciative, and my brother doesn't want me to say it, but he made the map. So this is awesome that we have such friendship and family together here in this room. So most importantly, of course, is to thank you met Judy and Amy downstairs. You met them. Thank them very much. They have been absolutely tremendous. Heather is not here today. And Michelle helped many, many of you to be here, and you know them via email. And I deeply, deeply appreciate what they have done. Without them, we'd have no Chapman. Absolutely no Chapman without them. So when you get a chance, say thank you to them. So many of you have traveled from Africa, or you were originally from Africa. Thank you. You've traveled a great distance to share with us. Some of you have traveled for days just to be here, and I am very appreciative of you. I am most grateful to you to come this far and to share with us your research on the Congo and in sub-Saharan Africa. Thank you. And we have professional translators and interpreters. They are upstairs working for us. Thank you. Hopefully you are hearing me en français. Is d'accord en français? Okay, good, good. Emma, will you stand for just a second and say hi? This is Emma Gazowski. Thank you, Emma. So this reviews of geophysics paper, which many of you are now familiar with, it's in English up here, en français down here. And that was all because of Emma's translation work. She also did interpretation work with us as well in our communications amongst our co-authors. So I'm deeply appreciative of her. And she is here to mingle with us and to help us in our one-on-one conversations. So take advantage of having Emma with us. Okay, now we're already to our first flexibility, our first snafu in the English jargon. Dr. Guy Schumann will come tonight. His flight was canceled, and he could not be here this morning, which is very disappointing because Guy is fluent. He was the one who made the YouTube videos. You probably saw him in the YouTube videos. He is in English on those videos with the French subtitles. So Guy will be here tonight, actually all day tomorrow and all day Thursday. So, but many of you are also bilingual, so help each other. Let's work together to overcome the language barrier. Many groups have funded us. I am deeply, deeply grateful to them. We have funding from the U.S. National Science Foundation, from NASA, my university, Ohio State. Here's the HiBAM project that has funded some people, GET Toulouse, the CRUM project, HSM Montpellier have all together raised significant monies. Combined, over $130,000 were raised to bring you here. I think, at least from OSU, I know of 60 people who are receiving partial or full support to be here. That is a fantastic degree of support for a conference like this. So I'm deeply grateful to all of these agencies for helping us. Tonight is very important. From 5 to 6 o'clock tonight, right after our Chapman, right out there at the tables, AGU is giving us a reception. They're taking care of it all themselves. They are it's not our registration fee. So I'm very grateful to the American Geophysical Union for hosting us. They have arranged a reception tonight, September 25th, 5 to 6, here at the Institute.
Board members will be present at the reception. These are the board members here. There's 15 people there, many of whom will be associating with us, talking with us. This is a wonderful opportunity for us to inform the board of the important research that we like to do in sub-Saharan Africa, and especially about the exciting discoveries, the scientific discoveries that you are excited to do. Share them with the board. AGU has 60,000 members across the world. They are the largest earth science organization in the world and are very influential not only in the US but across the world. And I think it's important for us to tell them firsthand what we want to do in the Congo and in sub-Saharan Africa. This is an amazing opportunity that AGU is doing for us. That's how much they believe in us. There are many opportunities for you to have conversations with the public relations people of AGU. During our Chapman, AGU science communications teams will talk with you about your research. AGU has been around for 100 years, and so they are celebrating 100 years of science. Their centennial team is also here. It's a special team to interview us, as well as other researchers around the world. And I hope that you'll share your ideas with them. You and your research are very important. If you are more comfortable speaking in French, Emma or Guy or someone else can help you speak in English and to do the interpretation with you. So be bold and share your work. So some goals. Our Chapman is for all of us. It's for all of you. There are two goals. Overcome the economic barrier and overcome the language barriers that have limited our research. Because you're here, we're successful. We've overcome those barriers. We've overcome the economic barrier by ensuring funding to bring you here. We are overcoming the language barrier by ensuring that we have interpreters upstairs. Is it okay? Yeah? Yeah, they're using, it's cute. They're speaking en français with their hands. This is wonderful. Thank you. We are successful, but we must go further. This is our launching point for doing more. Let's do more by sharing your work. Meet with other researchers. Work together to find the scientific opportunities, to find the collaborations, and to work toward new discoveries. Let's use this as a brand new launching point. Each session has a hypothesis. That is on purpose, that we have a hypothesis, an actual scientific hypothesis to address. An outcome of our Chapman is that each hypothesis will be addressed. During your discussions that will be amongst the posters, your discussions that will be during the discussion period, over lunch, discuss the hypotheses. Is it true? Is it false? Is it even worded correctly? Maybe it needs to be edited and reworded or deleted altogether in favor of a different hypothesis. Let's address those. Those will become the focal points of our publications that I'll talk about in a moment. Tell your session host what you think is the case, true or false. So publications. We are definitely going to have publications come out of our Chapman. I'm going to move this. There we go. We're going to have publications that come out of our Chapman. They will be peer-reviewed papers. I'm working right now with the journal editors and the AGU staff to create these publishing opportunities. And of course, always remember that AGU has the very highest standards. Some papers will be rejected. They often reject many manuscripts. So we're going to have to submit our very finest research. I will provide more information via email about the publications in the weeks that follow. We're working on this right now, and we'll take our time. We're not going to rush to publication, but we will certainly work toward that. And we'll have a number of peer-reviewed papers published in the AGU journals, and they will be in English, they will be in French, and they will be freely available, just like our reviews of geophysics paper. We're going to make certain of that. And of course, many of you are familiar with the famous Bulteau volumes here, right? You've all seen this on the right and the rainfall map that is inside of it. So let's build upon the rich history that has already been founded in publication of the Congo. So some concluding thoughts for everyone. Each session has two or three talks, maybe even four. Then we have the posters, and during posters there's snacks and so on, and then a discussion period. And the discussion period is actually, we'll separate into two groups. Because there's 80 of us here, two small groups of say 40 each is an easier conversation.
Both groups will largely speak in English, but one group will have a host who is bilingual and will be able to speak in French. And if you wish to speak in French, do so. It's fine. And we will have an interpreter there to help with the questions and discussion, particularly in one group more so than the other. But we're going to do our best. We want to learn from each other. Lunch every day here at the Carnegie. We'll have lunch here today. So we're going to have to be flexible, though. Already, I can tell you that we have a change to the schedule. In the very first session, Alain will start, and Christopher will be our second speaker. Jean-Marie couldn't be here. One of three people who we were not able to get here because of visa troubles. So Jean-Marie could not be here, and Chanel was going to give Jean-Marie's talk, and Chanel's plane has been delayed as well. So we'll just have two talks, and that's okay. We'll work with that. So we're going to have to be flexible at times like this. And that'll happen. We have the very last session of the on Thursday. We actually have four talks, and that'll be okay as well. So we're going to be flexible and adjust this week. And in conclusion, the Congo Basin is huge. It's a very big place. And I invite you to look at this as a rich opportunity. There's space there for all of us to have amazing discoveries. I want you to think about scientific discoveries. What are the things that we can discover working together? Share your ideas and work together. That's what this Chapman is all about, bringing us all together and sharing with one another. So, thank you. And are there any questions? Any questions you need? We do have microphones, which will be helpful for our interpreters, I assume. They need to have the vocals into the microphones to help with interpretation. Are we good? Shall we start then? Okay. Ed, you want to start us off? And Alain will be our first speaker. And hopefully we can get Alain's talk loaded. Again, we'll be flexible here. Can you find his talk? Okay, let me get my coffee out of here. And I will get a headset. Alain, is your talk? Do you know which one of these is yours? Oh, it's on there. Okay. Okay, so I guess while Alain gets started, again, welcome. It's an honor to kick off the first session here. And myself and Paul Bates, who's in the audience right now, we'll be the two that split up in the afternoon or after the poster session for the discussion period. So I look forward to that. When we get to the discussion period, we'll talk more specific about the hypothesis that we have for the rainfall runoff session and, you know, start our discussion around that hypothesis and get people's thoughts on, you know, what they think of that, how it potentially should be changed, altered in any way. And so that'll be the starting point for the discussion. So for this morning session, we've got the two oral presentations. So we have a little extra time for each of the presentations. But the first presentation is from Alain, who's going to be talking about a new look at hydrology of the Congo Basin from the study of multi-decadal time series of discharges. So with that, I'll turn it over to you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good morning. Alors pour éviter les sarcasmes sur mon mauvais anglais, je vais plutôt utiliser la langue de Molière plutôt que celle de Shakespeare. Le point commun que j'ai avec Doug, c'est que Doug vient de dire qu'il avait des difficultés pour s'exprimer en français, et moi j'ai exactement les mêmes difficultés pour m'exprimer en anglais. Comme j'ai l'honneur d'introduire cette session, je vais d'abord aborder le contexte particulier des recherches dans ce bassin. Ensuite, tout en parlant d'hydrologie, dans le cadre de l'hypothèse de cette section, je vais aussi faire un tour d'horizon de quelques enjeux des recherches qui y sont menées et plaidoyer pour les promouvoir au sein même du bassin.
En décembre 2015, lors de la session Congo à la GU de San Francisco, j'avais terminé ma présentation sur la nécessité de développer une conscience hydrologique régionale au sein du bassin du Congo, en profitant justement du regain d'intérêt qu'il suscite depuis quelques années. Aussi, je tiens à remercier Doug pour son initiative qui devrait y contribuer, puisqu'il a réussi son défi de réunir dans ce symposium diverses disciplines et nationalités, dont un bon nombre de collègues d'Afrique subsaharienne, qui sont les premiers concernés par le sujet. Je remercie également toute son équipe ainsi que l'AGU et je salue les efforts de traduction qui permettent à la communauté francophone dominante dans ce bassin de se sentir plus impliquée et à l'aise. Le bassin du Congo est à la fois paradoxal, dichotomique et singulier. Paradoxal parce que c'est un très grand bassin qui contribue à la moitié des exportations d'eau douce du continent africain vers l'Atlantique. Et pourtant, il reste méconnu, oublié et jusqu'alors négligé par la communauté internationale. Pour preuve, ce bassin fait l'objet de très peu de traités internationaux, alors même qu'il concerne une dizaine de pays d'Afrique centrale. Certes, il existe quelques initiatives autour des Grands Lacs de l'Est avec l'Albakir et l'autorité du lac Tanganyika, mais cela reste dérisoire compte tenu de l'étendue et de l'importance de ce bassin. Le paradoxe de ce bassin est également souligné par cette diapositive de Doug qui montre que malgré son importance, il y a 10 fois moins de publications scientifiques sur l'hydrologie sensu largo que sur celui de l'Amazone. Et pour cause, le bassin du Congo a longtemps été caractérisé par de multiples dichotomies avec différents pôles linguistiques et ou géographiques. Au clivage existant entre les deux rives du fleuve, mais aussi entre l'Occident et l'Afrique, se sont superposés ceux thématiques entre plusieurs disciplines souvent connexes qui se côtoyaient mais sans vraiment se mélanger. Enfin, toutes ces dichotomies ont accentué celle de deux mondes à deux vitesses, où le Sud n'a aucune chance par rapport au Nord dans cette course frénétique de ce que je dénomme les Jeux olympiques de la science. Dans le bilan anecdotique de Doug sur les publications internationales portant sur ce bassin, il y a fort à parier qu'une grande majorité soit réalisée sans association aucune avec des scientifiques d'Afrique centrale. Et cela est tragique. Lorsque l'on sait que l'Afrique ne compte que 2,3% des chercheurs du monde et produit moins de 2% du total des publications scientifiques. Ces données proviennent d'un article du journal Le Monde de ce mois-ci. Par manque de moyens pour participer aux JO scientifiques, ces chercheurs sont de facto mis à l'écart des recherches menées sur leur propre terrain. Nous avons choisi cette photo pour illustrer la lenteur et la complexité de la circulation des informations entre les communautés précitées. En effet, il faut perdre 4 heures pour traverser les 2,5 km du fleuve qui séparent les deux capitales les plus proches du monde, Brazzaville et Kinshasa. Je reviendrai sur cette notion de temps plus tard. La singularité de ce bassin traversé par l'équateur est soulignée par sa physionomie avec une forme et une structure globalement concentriques autour de la fameuse cuvette centrale qui est inondée en partie ou en totalité en fonction du cycle hydrologique. Cette cuvette est perchée à 300 mètres d'altitude avec de très faibles pentes en son centre. Elle est séparée de l'océan Atlantique par les rapides de Livingston qui interdisent toute connexion maritime, au contraire de la plupart des grands bassins fluviaux de la planète. Et pour finir, j'en arrive à la dernière dichotomie qui annonce ma présentation. C'est celle de l'évolution de l'hydrologie en Afrique centrale, où un passé enviable s'oppose à un présent pitoyable. Nous assistons ici à la déliquescence des réseaux hydrologiques du bassin du Congo, qui ont connu une rupture à l'époque des indépendances, en passant de plus de 400 stations avant 1960 à moins de 20 stations actives aujourd'hui. Excepté pour le Cameroun, d'ailleurs, la plus grande densité des stations hydrologiques sont dans le haut bassin de la Sanga. Donc, excepté pour le Cameroun, l'absence
de services hydrologiques nationaux ad hoc fait que ce sont les services de navigation fluviale qui assurent la gestion des principales stations du bassin situées sur des biefs navigables. Ce sont elles qui seront utilisées dans ce travail. C'est justement de ruptures que je vais parler ici, mais de celles affectant les quelques rares et longues chroniques hydroclimatiques disponibles, en privilégiant les données de terrain, dans une étude qui sera affinée et portée par la suite par Guy Mukandi, en co-encadrement avec Raphaël Simanga. Et c'est là que commence la réussite de Doug, qui a favorisé un brassage intercommunautaire en stimulant des travaux collectifs associant plusieurs institutions, programmes et acteurs clés dans l'hydroclimatologie in situ de ce bassin et dont les logos sont présents ici. En effet, grâce à la clairvoyance de la CICOS, la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sanga, représentée ici par Georges Gulemvuga, et avec l'accord de Gabriel Mokando, responsable de la RVF, Régie des voies fluviales, le bureau d'études BRL, représenté par Stéphane Delichère, nous a aimablement transmis les chroniques hydrologiques du Kassai et de la Lualaba que nous avons pu étudier pour la première fois, en concomitance avec celles des affluents de rive droite gérés par les voies navigables représentées ici par Lévi Ayissou. Cela s'est réalisé avec la participation d'universitaires des deux rives du fleuve, tout en bénéficiant d'échanges avec nos collègues d'Hydrosciences de Montpellier et en collaboration avec des climatologues. J'en profite pour mentionner deux outils de coopération internationale basés sur l'hydrologie sensu largo et qui interviennent sur le terrain en renforçant chaque jour leur collaboration avec la bénédiction de la CICOS. Il s'agit de l'observatoire IBAM, basé à Brazzaville, et du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, basé à Kinshasa, dirigé localement et respectivement par les professeurs Guy Mukandi et Raphaël Simanga, présents parmi nous et qui seront ravis de collaborer avec vous. Afin de nourrir l'hypothèse de cette session, j'aborderai les discontinuités hydropluviométriques pour 5 sous-bassins emblématiques. Nous verrons ensuite leurs tendances. Et j'insisterai sur le cas de l'Ubangui en mentionnant leurs répercussions possibles. Bien qu'elle ne contrôle que 66% du bassin, ces 5 stations hydrologiques ont été auscultées, sont représentatives de ses principales régions hydroclimatiques et disposent de longues chroniques pluridécennales de débit. Elles encerclent la mystérieuse cuvette centrale, soulignée ici par le tireté en noir au centre de la tache blanche. Le fonctionnement hydrologique de cette cuvette est singulier et interpelle nos communautés. Et c'est à juste propos que nos collègues du BRL l'ont qualifiée de casse-tête hydrologique. Elle est dominée à l'ouest par les plateaux Bateke en jaune, dont je parlerai plus tard. Dans ce bassin, les données terrain sont des denrées très rares et très difficiles d'accès. La pêche aux données est un sport qui demande beaucoup de patience et sûrement plus qu'ailleurs. Les chroniques pluviométriques disponibles sont de 80 ans pour le bassin de l'Ubangui et d'une soixantaine d'années pour les autres. Quant aux chroniques de débit journalier, elles varient de 61 à 115 années. La plus longue série est celle des stations jumelles qui contrôlent 98% du bassin et sont symbolisées ici par les codes aériens BZV et KIN pour Brazzaville et Kinshasa. Ce n'est que depuis ce mois de juillet 2018, que nous avons pu avoir accès aux données des stations de Kutumoke sur le Kassai et de Kisangani sur la Lualaba. Une partie de leur débit journalier a été complétée méticuleusement par le bureau d'études BRL pour la période 1951-2012. Ce remarquable et admirable travail de collecte des données et de modélisation hydropluviométrique supervisé par la CICOS mérite d'être souligné, car il est à ce jour le plus complet. Stéphane Delichère en présentera d'ailleurs les principaux résultats. La méthodologie consiste à détecter des ruptures isolant des périodes d'écoulement homogènes,
Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel Chronostat qui utilise les trois tests statistiques qui sont ici mentionnés. Puis nous avons réalisé une analyse des hydraulicités pour la dernière période en cours. Le dernier séquençage du Congo à Brazzaville-Kinshasa, qui concernait la période 1903-2010, montrait à partir de 1960 une alternance de périodes excédentaires et déficitaires pseudo-décennales, pour lesquelles plusieurs explications, parfois surprenantes, ont été émises sur leurs origines. La rupture de 1970 se retrouve sur les affluents de rive droite étudiés à l'époque et elle annonçait une période d'écoulement déficitaire. Cependant, pour le Congo à Brazzaville, Kinshasa, un retour à des écoulements moyens semblait s'amorcer depuis 1995. Si les débits des affluents rive droite baissaient, l'on pouvait alors en déduire qu'ils étaient compensés par des augmentations de ceux de Kassai et au-delà, Lualaba, et ou de la cuvette centrale. Cette présentation va tenter d'y répondre et de nous éclairer sur l'hydraulicité du bassin durant ces dernières années, et notamment sur le régime hydrologique de la cuvette. Sur la période de données communes de 60 ans, l'on retrouve pour les débits du Congo à Brazzaville-Kinshasa les deux fameuses ruptures encadrant la saison humide de la décennie 60. Par contre, la série pluviométrique n'en présente qu'une en 1970. Comme elle est commune avec celle de la série hydro, nous avons comparé leurs variations de part et d'autre. Pour l'ensemble du bassin, une baisse pluviométrique de 6% se traduit par une baisse d'écoulement légèrement supérieure de 7,8%. Par contre, l'étude de la chronique complète jusqu'à fin 2017 permet de relativiser les conclusions antérieures en nous offrant un regard plus distant puisque les séquençages peuvent évoluer en fonction des durées des chroniques disponibles. Du coup, la persistance d'écoulements qualifiés de normaux depuis 1995 ramène à un équilibre avec la période similaire pendant la décennie précédant la décennie humide de 1960. De facto, celle-ci devient l'anomalie marquante de l'hydraulicité du fleuve durant les 115 dernières années. La reprise des débits depuis 1995 suggère une pluviométrie plus soutenue sur les deux dernières décennies. Cet aperçu général est le prélude aux études des comportements des sous-bassins. Nous allons procéder dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par la Lualaba, à Kisangani. Comme attendu par les études précédentes, le comportement de la Lualaba à Kisangani est différent des deux principaux affluents de rive droite. Contrairement aux autres sous-bassins, une période d'écoulement déficitaire a précédé une phase de pluviométrie excédentaire au début des années 60, qui se retrouve aussi dans celle des débits. Puis à partir de 1965, les pluies ont diminué, avec ici une incidence similaire sur les débits. Après 2000, les débits semblent se stabiliser, ce qui suggère une reprise de la pluviométrie. Pour la série commune, le Kassai à Kutumoke présente dans ses écoulements deux ruptures à la baisse en 1980 et 1992, alors que la série pluviaux de son bassin n'en présente qu'une en 1968, avec une baisse pluviométrique plus faible. Par contre, les débits des deux dernières décennies montrent une reprise des écoulements avec une grande variabilité interannuelle, ce qui suggère, là aussi, une reprise des pluies au sein de ce bassin influencé par les masses d'air d'Afrique australe. Quant à la Sanga à Ouesso, sa principale cassure hydropluviométrique de 1970 sépare une période plus humide d'une autre qui l'est moins. La baisse pluviométrique de 4%, inférieure à 4%, se traduit ici par une baisse d'écoulement d'environ 20%. Enfin, l'Ubangi à Bangui dispose de chroniques pluie débit concomitantes de 1936 à 2017. En l'absence de jaugeage à Bangui sur les deux dernières décennies, c'est toujours la dernière courbe de tarage de 1991 qui est utilisée.
Son historique montre qu'elle a été réactualisée à plusieurs reprises, mais ce sont surtout les débits extrêmes et en particulier les bas débits qui risquent d'être mal évalués. Aussi, les conclusions postérieures à 1991 devront être prises avec précaution et il est important de le mentionner. Loubangui à Bangui présente toujours trois cassures, avec un déficit hydraulique persistant depuis 1982. La principale rupture hydropluviométrique reste celle de 1970. Et par rapport à cette rupture de référence, la baisse actuelle d'écoulement de près de 30% correspond à une baisse pluviométrique de seulement 6%. Dans son poster, Syria Guimalé de l'Université de Bangui, dont sont issues ses conclusions, commentera plus en détail ces différences de comportement hydropluviométrique en tenant compte de l'incidence des couvertures végétales, des usages des sols et du tarissement des aquifères. Comme malheureusement il n'a pas obtenu son visa, ce sera son doctorant Chanel qui le présentera. Avant d'étudier les régimes hydrologiques par période d'écoulement homogène, l'on va présenter la variabilité spatio-temporelle des débits spécifiques qui sont le meilleur indice pour comparer les sous-bassins entre eux. Et sur cette carte, c'est encore Loubangui qui retient le plus notre attention avec actuellement les débits spécifiques les plus faibles, inférieurs à 6 litres par seconde par kilomètre carré. C'est aussi ce bassin qui a connu les variations les plus importantes puisqu'ils étaient montés à près de 10 litres par seconde par kilomètre carré pendant la décennie humide. Ceux du Congo, à Brazzaville, Kinshasa, montrent un équilibre de part et d'autre de la même période humide. Bien évidemment, ces débits spécifiques intègrent ceux de la cuvette congolaise, mais également ceux élevés, supérieurs à 30-35 litres par seconde et par kilomètre carré, des fameux plateaux Bateke, qui sont une des singularités hydrogéologiques majeures de ce bassin. Ils couvrent une centaine de milliers de kilomètres carrés et contribuent à la régulation des débits du Congo. C'est donc Loubangui qui retiendra toute notre attention. L'analyse de ces régimes hydrologiques moyens par période d'écoulement homogène montre une diminution de l'amplitude de la crue et de sa durée. Et, à contrario, elle montre une extension de la durée de l'étiage et de son intensité. Depuis 1970, l'unique connexion fluviale entre les capitales Brazzaville, Kinshasa et Bangui subit une baisse importante du nombre de jours de navigation par la multiplication des bancs de sable. Il faut noter que la navigation fluviale comptabilise environ 500 décès par an, ce qui justifie l'intérêt d'étudier au plus près les comportements hydrologiques de ces cours d'eau. La persistance de la baisse des débits de Loubangui interpelle sur le bien fondé de saigner un cours d'eau malade pour alimenter le lac Tchad via le fameux projet Transaqua de canal de dérivation interbassin. Effectivement, la superficie de lac Tchad a diminué d'un facteur de 10 depuis 1970, en passant de 20 000 à 2 000 km². Mais de par le passé, cette superficie a toujours énormément fluctué en accord avec la pluviométrie. Ces dernières années, et malgré l'augmentation des prélèvements pour l'irrigation, le lac se remplit à nouveau avec des superficies qui fluctuent entre 2 000 et 14 000 km², suivant les saisons et les années. L'on voit même ici la cuvette nord à nouveau inondée sur cette photo de 2017. Cette problématique très complexe de projet pharaonique, qui concerne autant les sciences environnementales que sociologiques, pourra être abordée par nos collègues du Niger et du Tchad ici présents. Enfin, l'étude différentielle de ces chroniques hydrologiques permet d'en déduire le régime hydrologique bimodal de la cuvette centrale. Son régime, qui n'est pas mesuré in situ, contribue à dessiner celui du fleuve à son exutoire. À ce titre, je vous invite d'ailleurs à consulter le poster de mon collègue Jean-Pierre Briquet, qui présente une excellente synthèse des contributions spatio-temporelles des écoulements des sous-régions du Congo, avec leur temps de transfert pour construire l'hydrogramme du fleuve à Brazzaville, Kinshasa. Et j'en arrive à la conclusion, mais je fais une petite pause pour irriguer mes cordes vocales. Comme il n'y a que deux orateurs ce matin, je pense qu'on gagne quelques précieuses secondes sur nos temps de parole.
Il y a trois orateurs. Alors, pour l'heure, nos conclusions relatives aux durées de nos observations montrent que la célèbre rupture de 1970, qui a affecté l'Afrique occidentale et centrale, a touché les affluents rive droite du Congo. Et c'est aussi ressenti aux principales stations de Brazzaville-Kinshasa, mais elle n'affecte pas l'ensemble du bassin du Congo. La décennie humide de 1960 reste l'anomalie majeure du fleuve durant ces 115 dernières années. Excepté pour le bassin de la Lualaba, les variations de débit sont en général plus élevées que celles pluviométriques, mais les amplitudes divergent en fonction des hétérogénéités spatiales des sous-bassins. Il y a même des contre-exemples où les variations de débit sont largement plus faibles que les variations pluviométriques, et c'est le cas des plateaux Bateke, dont je pourrais vous parler lors de la discussion si besoin. Le rôle tampon de l'immense cuvette centrale renforce l'inertie hydraulique du fleuve. Depuis deux décennies, ces deux dernières décennies, il semble que l'on assiste à une stabilisation des écoulements, voire même à des reprises hydropluviométriques dans le bassin du Congo. Mais c'est surtout celui de l'Oubangui au nord qui reste le plus fragile aux modifications climatiques, avec des débits déficitaires persistants depuis 1982. Enfin, les changements hydroclimatiques actuels amènent à réviser les normes hydrologiques en Afrique de l'Ouest et centrale qui ont été établies sur des concepts de stationnarité des écoulements. Ce volet important fait actuellement l'objet du projet NORM au sein du réseau Free End AOC animé par Gilles Mahé et soutenu par Abou Amani de l'UNESCO, qui malheureusement n'a pas pu venir parmi nous. Le concept de stationnarité des écoulements illustre à merveille notre myopie temporelle, puisque l'hydroclimatologie a toujours varié dans le temps de manière plus ou moins cyclique. Pour illustrer la relativité de nos conclusions portant sur l'actuel, je vous propose à titre d'exemple la reconstitution des flux liquides et solides du passé élaborée par Moliex et Hall, l'article est en révision dans Quaternary Research, à partir de paléoproxy offshore et onshore. Ici, notre période d'étude est un zoom de la fin des 25 000 dernières années. Cette évolution à grande échelle a été calée sur notre époque actuelle. Et pour voyager encore un peu plus dans le temps, cette autre diapositive présente cette tranche de 25 000 dernières années comme étant un zoom de la fin des 160 000 dernières années. À noter que les angles d'attaque sont multiples pour reconstituer les débits. Parmi nous se trouve le collègue Steven Bouillon de Belgique qui a pu reconstituer avec une grande précision les débits de l'Oubangui à Bangui à partir d'études isotopiques de coquilles de moules fluviales. Alors si en auscultant les proxys du passé, l'on peut suggérer une reconstitution des paléoflux, nous manquons bien évidemment, tragiquement, de proxys du futur pour en prédire l'avenir. Et ne comptez pas trop sur moi pour vous dire ce qui va se passer dans les prochaines décennies au sein du bassin du Congo. Compte tenu du contexte particulier de ce bassin, il est évident que seuls des regards croisés permettront d'ausculter au mieux ces variations hydroclimatiques, tant pour les applications environnementales comme de navigation fluviale, d'hydroélectricité ou d'éventuelles dérivations vers le lac Tchad. À ce sujet, il est curieux de constater que les scientifiques soient peu sollicités par les décideurs et les bailleurs de fonds, alors même que ces derniers pourraient avantageusement tirer profit de leurs éclairages pluriels. Un autre résultat important de ce travail est le fait que la glace semble enfin fondre entre les clivages internationaux, interinstitutionnels et interdisciplinaires qui ont longtemps perduré entre rive gauche et droite du fleuve et entre nord et sud.
Il est à espérer que cette heureuse synergie pourra s'intensifier grâce au dynamisme de véritables leaders régionaux résolument dévoués à la science. Une lueur d'espoir provient de la RVF, qui depuis l'an dernier reprend des activités de terrain dans le cadre du programme PANAV et pourrait retrouver son prestige d'antan. Les opportunités pour la recherche hydrologique dans le bassin du Congo, annoncées par Doug, doivent aussi et surtout se traduire par des opportunités d'inclusion et de participation des partenaires africains dans les études qui concernent leur propre terrain. Dans ce bassin, plus qu'ailleurs, l'émergence d'une véritable conscience hydrologique régionale et éclairée devient plus que jamais une nécessité impérieuse. Au nom de tous nos partenaires, je vous remercie pour votre attention. So I guess, following on that talk, we have time for a few questions. Do we have any questions from the audience? And again, if you could go to the microphone so the translation can get done. Is it on? Yes. And we have this one too. Yes, could you go to the microphone? I guess it's Qu'est-ce que vous avez utilisé comme données pluviométriques? Il y a peu de stations depuis 30 ans. Oui. Ah oui. Alors, justement, je l'ai marqué. Je peux vous repasser le transparent qui va vous parler des données pluviométriques. La slide, un petit moment. Voilà, depuis 1940 à 1999, on a utilisé la fameuse banque de données CIRM. Et pour les comparaisons hydropluviométriques, on a comparé les débits et les pluies de la même période, 1950 à voilà, vous avez ici donc 60 ans de données de 1940 à 99 pour tous les bassins qui proviennent de la fameuse banque de données CIRM qui est consultable ici sur ce site, d'accord. Et pour les données pluviométriques du bassin de Lubangui, où effectivement j'ai parlé des dernières décennies, nous avons utilisé les données pluviométriques de la direction de la météorologie et de l'hydrologie, représentée ici par Athanase Yambélé. C'est le travail qu'a fait le professeur Cyriaque Guimalé de l'Université de Bangui. Merci. Voilà. Ouais. Pour compléter ma réponse, nous attendons actuellement avec Gilles Maé, nous travaillons sur Gilles Maé et Jean-Marie Timengue de l'Université de Kinshasa. Nous sommes en train de travailler sur la récupération des données pluviaux des deux dernières décennies. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, la pêche aux données est un sport très, très... Bon, enfin, vous connaissez, comme tous les autres, cette problématique. Merci Alain pour ta présentation. J'avais juste une question par rapport à l'apport des eaux souterraines dans la compréhension de l'hydrologie du Congo. Est-ce qu'il y a des études ou des mesures qui permettent aussi de comprendre les apports souterrains qui peuvent aussi influer sur le bassin? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est effectivement très intéressant et c'est un grand problème. Je ne vais pas vraiment vous répondre de manière très positive. Il y a très peu d'études sur l'hydrogéologie. Alors, il y a quelques petits programmes épars qui se sont faits notamment en RCA, auxquels j'ai participé, où on a mis des piézomètres dans une dizaine de sites en République centrafricaine. Il y a des travaux plutôt anciens qui ont été faits sur les plateaux Bateke. Alors les fameux plateaux Bateke, alors ça c'est intéressant, c'est peut-être, si j'ai deux minutes, je peux peut-être montrer un transparent là-dessus. Oui, ouais, pas compris. Euh,
Alors, globalement, j'ai dit que de faibles incidences pluviométriques se traduisaient par de plus fortes incidences en hydrologie, mais on a un contre-exemple impressionnant, c'est celui des plateaux batéqués. Vous avez un régime pluviométrique qui est très contrasté, avec une saison sèche très marquée entre juin et août. Par contre, ce régime pluviométrique ne se retrouve absolument pas sur les régimes hydrologiques où on a des hydrogrammes quasiment horizontaux. On a ici les cours d'eau probablement les plus réguliers de la planète, hein, parce que les pluies traversent des aquifères sablo-gréseux de 200 à 400 mètres d'épaisseur sur une superficie de 100 000 km². Alors ça, c'est juste, ça montre, ça illustre l'hétérogénéité spatiale de l'hydrogéologie dans ce bassin. Et bien évidemment, au cœur de la cuvette centrale, bon, ben, personne n'a, c'est très difficile d'y accéder et d'installer des équipements pour mesurer les fluctuations de la nappe. Et on présume, par quelques travaux qui ont été faits dans le nord du bassin de la Liquala aux Herbes, que la nappe est apparente. Et les écoulements superficiels se font sous forme de nappe. C'est une sorte de nappe fluviale, hein, qui va se mélanger avec le toit de la nappe et différencier quelle est l'eau de surface, quelle est l'eau souterraine. C'est aussi un peu difficile dans la cuvette centrale. Ça, c'est un défi à relever. Et c'est justement un des travaux à mener par la suite pour y répondre. Bonjour, Gilles Mahé, donc de IRD. Merci Alain. Enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Merci pour ta présentation et merci à la compagnie BRLI pour avoir mis à disposition les données sur la partie RDC, parce qu'on a besoin de ces informations hydrologiques pour comprendre ce qui se passe sur le bassin. Et là, les premiers résultats sont déjà intéressants parce qu'on voit que la variabilité hydrologique sur la grosse partie sud du bassin et est du bassin est assez différente de ce qu'on observe dans la partie nord. L'autre point sur lequel je voulais faire une remarque, c'est pour la partie eau souterraine, c'est la question qu'a soulevée Madame Alice Andran. Pour tous les bassins nord, c'est-à-dire Sanga y compris et surtout Lubangui, le climat est régi par la mousson ouest-africaine. Et donc, il y a le climat qui a sur le Lubangui et sur la Sanga, et ce qu'on appelle soudano-guinéen, avec une seule saison des pluies bien marquée et une grande saison sèche. Et pour tous les bassins versants qui sont situés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui sont sous cette latitude, on a observé une diminution très importante des réserves en eau souterraine. Et ça depuis les années 70. Et c'est ce qui est à l'origine de la diminution de 30% des débits, alors qu'on n'a que 6% de diminution de pluie. Mmh. Et ça s'observe dans toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la partie nord du bassin du Congo. C'est ce qui provoque ce déficit d'apport en eau qui est très différent entre la partie nord du bassin et toute la partie sud du bassin. Et c'est pour ça aussi que toutes les données de BRLI sont importantes pour nous prouver que ça se passe différemment dans la partie sud. Mmh. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'autres présentations sur ce sujet-là. Donc, je voulais quand même qu'on en dise un mot là, parce que c'est des études qui sont déjà anciennes. On n'a pas d'autres informations depuis, et ça pourra participer aux discussions quand on va arriver à la session. Oui, juste à mentionner, il y a quand même une présentation, c'est celle de Syriac Guimalé de l'Université de Bangui, hein, qui va parler des variations hydropluviométriques dans le bassin de Lubangui, et qui a montré effectivement l'augmentation des tarissements des nappes. Mais c'est souvent fait par déduction et non par mesure in situ réelle. C'est pas par piezo, c'est par c'est le coefficient de tarissement qu'on déduit des débits journaliers. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Jean-Pierre Briquet, IRD aussi, HSM.
Merci Alain. Et merci de parler en français. Oui, pour toi, parce que c'est plus facile. Je voudrais juste compléter un petit peu la réponse que tu as pu faire sur l'origine des données pluviométriques. Mmh. À travers d'autres projets à laquelle on a pu participer, nous on a pu collecter par exemple des données pluviométriques très très récentes sur le Rwanda, le Burundi, toute cette partie est du bassin du Congo, sur lequel il y a très très peu d'informations. Et ça c'est quand même très important aujourd'hui. Même chose aussi pour l'hydrogéologie, pour les eaux souterraines, il y a deux ou trois projets, programmes aujourd'hui, financé par nos amis allemands, par la coopération allemande, en particulier sur le Rwanda et le Burundi aujourd'hui. Mais je dirais que cette partie-là, curieusement, pour le bassin qui nous concerne, a très peu d'intérêt, puisque tout est tamponné par le lac Tanganyika. Voilà. Mmh. Et donc là, au niveau du résultat, au niveau de la contribution à l'écoulement de base du bassin du Congo, zéro. Mmh. Par contre, il faut regarder, et ça peut-être qu'à travers la CICOS, puisque maintenant que l'Angola est un membre de la CICOS, on pourra peut-être accéder aux données de tout le haut bassin du Kassai, qui se retrouve sur des bassins un peu gréseux, similaires à ce qu'on peut avoir sur les zones Bateke. Mmh. Et ça, c'est... Faut peut-être... Où est Georges ? Il est là. Voilà, Georges, on va te mettre à contribution pour avoir des informations là-dessus avec les Angolais, parce que eux, alors curieusement, c'est pas forcément à travers des hydrogéologues, c'est à travers les miniers. C'est peut-être alors, c'est pas du tout le genre de rapport qu'on a l'habitude de regarder. Comme les pétroliers, c'est des trucs très techniques, mais on peut avoir énormément d'informations avec ça. Oui, c'est tout à fait exact. La pêche aux données... Ça reprend ce que tu disais, Alain, effectivement, la pêche aux données, c'est un travail phénoménal. La pêche aux données, c'est auprès des instituts nationaux, mais aussi, comme le dit Jean-Pierre, des fois auprès des missionnaires. Les missionnaires qui sont éparpillés un peu partout dans le bassin, parfois font des collectes d'informations, mais il n'y a que seuls qui le sachent. Et il y a aussi quelques entreprises privées. Donc, c'est vraiment un travail de patience incroyable pour arriver à obtenir ces données. Alors, pour le lac Tanganyika, c'est bien d'en avoir parlé. Son débit est sur les cours d'eau du bassin du Congo. Là, ça correspond à peu près à 300 m3 par seconde. Et la loi là-bas, c'est 8000 m3 par seconde. Donc, l'impact du lac Tanganyika ou l'impact humain du lac Tanganyika sur les flux à Kisangani sont assez négligeables. Quoi. So we'll take one more question. We have plenty of time during our discussion period for additional talk as well as the poster session. Nous venons de créer un nouveau dataset pour le Congo. C'est une chose, nous avons pu ajouter quelques stations. Nous avons parlé avec les gens à Offenbach, des autres gens qui ont rassemblé quelques stations. Et c'est disponible pour tout le monde ici. Je ne sais pas qui va parler de ça. Je pense que mon collègue Leming va présenter ça. Mais je pense que c'est un nouveau... Maybe it's better in English, a new tool, and we have taken it up to 2012, but we have been able to add a few stations and use new statistical techniques. I think that this data set will be of use to everybody, and we can talk more about it later. D'accord, merci beaucoup. So the one gentleman who walked down, that'll be Merci, c'est bienvenue Dinga du Congo Brazzaville. Je félicite Alain Larac pour ce travail, c'est très intéressant. Et je voulais juste intervenir ici pour la petite partie en jaune que vous voyez au niveau des plateaux Bateke. Malheureusement, on n'a pas fait état qu'il y a des stations qui existent à ce niveau-là, dans la partie jaune, qui sont gérées par la société d'eau nationale, qui existent, qui continuent à faire le travail que l'IRD avait commencé. Et que nous continuons. Et donc, les données existent un peu pour cette partie. Et il y a aussi quelques données hydrogéologiques, parce que depuis 4 ans, on a commencé à lancer les masters, donc sur les études, notamment sur l'estimation des ressources en eau souterraine, depuis déjà. Donc, on a commencé depuis le Guinée. Donc là, on est en train de descendre. Déjà, on a fini avec le Djoué, on a fait. Et là, on a trouvé toutes les zones au niveau de Brazzaville. Donc, il y a une contribution. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, que cette zone stabilise en quelque sorte le débit du Congo. Et il est très important que nous ayons ajouté là-dessus pour la suite du programme avec Doug. Merci. Oui. One more. Yes. The last one.
Bonjour, je suis N'Golo Nagundu du Tchad. C'est juste une seconde. J'ai été frappé dans... Je remercie d'abord Alain, qui est un collègue de longue date. J'ai été frappé dans sa présentation par un seul mot, le qualificatif de Bourdeau malade ou Bangui. Je pense qu'à mon humble avis, qu'on ne dispose pas de suffisamment de données pour pouvoir dire une telle affirmation. Je crois que si les décideurs ont besoin de l'avis des scientifiques, il ne faudra pas tout de suite aller vers de tels qualificatifs. Je pense que c'est... c'est pas diplomatique, non plus, mais je crois que ce n'est pas très scientifique non plus pour une telle affirmation. Merci. Ok, merci, Golana. Thank you. Thank you. I made a mistake. Jean-Marie is not here, but Gilles Mahi will give Jean-Marie's talk. So first, merci. First, Christopher, come on down, and then Gilles will go for just short. So Christopher, come. Thanks. I'm sorry. So Christopher's going to talk about, is the Congo Basin getting drier? And then we'll go back to the second talk, will be our last talk of this morning session. Thank you. Oh, so you are. Good morning. Good morning, everyone, or good afternoon. I'm sorry, I don't know. Oh, it's still morning. Good morning, everyone. Sorry, I had the longest flight of my life, and I've still been trying to recover. It's more than 22 hours in total. So thank you very much for the conveners. The program committee members, I want to say a very big thank you for the opportunity given me. My name is Christopher Ndegerege, and the title of my presentation today, as you can see, is the Congo Basin getting drier? In other words, is it really true that the wettest region, one of the wettest regions of the world, is actually getting drier? And I recall sometime, was it in August or was it in September or so? Sorry, August or July or thereabout, somebody indicated, say, oh, that sounds like a misnomer. I say, no, I don't think so. So I'll get my presentation started by looking at the relationship between precipitation products. When I was getting ready for this talk, I had problem with institute data, and I'm one of those who, I would say I'm a newcomer to research in the Congo Basin, I'll acknowledge that fact. And so one of the challenges that people like us do have is the problem of data sets, and I hope we'll get this discussion going much later. So I had a quick look at the most popular or the two well-known observational reference data used in rainfall analysis globally, the Global Precipitation Climatology Center and that of the Climate Research Unit. And I don't really want to waste our time here. That's a simple correlation. And you also have analysis of variance. And as you can see yourself, the two data sets are pretty much consistent.
except, you know, in most of the COVID center. And I would say, looking at the that relationship, which is more or less partially explicit, the change in gauge distribution station over time probably should be the reason for some of the relationship we are seeing. And then the analysis of variance actually indicates that the mean is more or less the same. So in my presentation today, I am going to assume that given the prestigious nature of this conference and the people here today, I will assume quite a lot of things regarding methods, regarding data sets. So I'm not going to go into the nitty-gritty of this is how it was done and all that, just to save our time. So now, and whatsoever I'm going to discuss today, or whatever I'm going to talk about today, actually falls within, you know, the context of, you know, the hypothesis which this particular session aims to address, which is, despite well-known variations in the river discharge of the Congo Basin, previous rainfall has actually varied comparatively less. So the answer is it yes or is it no? So now, looking at the historical rainfall over the Congo Basin, I had to model, you know, the component of a typical rainfall in the Congo Basin. And one of them is the trends, the annual and the semi-annual amplitudes. Now, there are other components in a typical rainfall data set in the Congo Basin. And those ones are mostly the ones caused by atmospheric circulation patterns and, call it, indices of oceanic variability, like the ENSO-induced kind of rainfall. So looking at the different climatological periods from 1901 up till 2014, the analysis of variance here indicates that rainfall, that the observed trends, the amplitudes and the semi-annual amplitudes are significantly different over those different climatological periods. And if that's the case, the next question is, excuse me, how has this varied over time? There are many approaches to that, and some would like to use wavelet analysis, and some would like to use second-order statistical methods like mean, standard deviation, variance. But here, I decided to use a principal component analysis. And for the different climatological periods, the principal component analysis was used to decompose them. And from what I found out, the Congo Basin is quite an interesting hydrological region, in the sense that I found more than five significant orthogonal modes of rainfall in the basin. And for purposes of physical interpretation, I decided to limit it to just three. Now, the first one there is the annual signal. The rainfall, I'm not from the Congo Basin, but I'll try my best and hope not to make mistakes in the names. The central part, the Central African part, and the Central African part, and then the southern catchment, that's where the main rainfall occurs. That's the rainfall in the southern part, that's between the rainfall between December and March, and the other one, the upper part, the rainfall between July and August. So the rest is something we're going to talk about much later in the course of this program. So what I found out was that during the early 19th century, that is the period between 1901 and 1930, the observed, the total variability accounted for was about 51, okay? But moving to the next climatological period, it increased to 56. And then moving to the next, it increased to 57. And moving to the last one, which is the period between the post-1990 period, the period between 1991 and 2013, it decreased. So essentially, one would say that during those periods of very strong anomalies, that rainfall, that there was increased variability in that particular period. But coming down to these other periods, for example, this other period where I observed quite decreasing trends in rainfall, there was a reduction in terms of the variability reduced. So
I would say that rainfall actually varied more if you are referencing the period between 1931 and 1990. It varied more during those periods, given the observed variability in this from the PC analysis. So now the next thing is to try to relate this variability to rain, to observe variability in rainfall to that of discharge. And so the PCA is quite limited in terms of localizing the rainfall signal over the Congo Basin because there are quite a lot of signals. And so the a fourth order cumulant statistics was applied, the independent component analysis, to localize the rainfall signals within the basin. And so what you see there is the localized signal. Now, the temporal patterns associated with each of these particular localized rainfall signal was thereafter related to the observed discharge at the Congo-Kinshasa station. Now, I had to use the discharge at Kinshasa station because in a previous study of ours, we found out that the discharge at that station explained a considerable proportion of the terrestrial water storage within the basin. So I had to limit myself to the Congo discharge. So as you can see, there is an association between observed discharge at that station with the localized rainfall, except for the last two, you know, modes, which for now I don't really have an answer. It's something we can always discuss much later in the course of the event. But then I noticed they are located at the intersection of the equator. So we'll talk about that much later on. Now, given that rainfall is well as is associated with the rainfall within the basin itself is associated with the discharge. Now, to further justify this relationship, what I did was I had to average rainfall, the GPCC rainfall, over the entire basin, and then it was analyzed again together with the discharge. But this time, because the discharge is just a single station data, so the singular spectral analysis was applied, you know, to be able to decompose that. So the singular spectral analysis does the same thing as the principal component analysis, just that this time it uses the singular value decomposition of the lagged covariance matrix. So now the same method, the singular spectral analysis was applied to the two time series. Now you can see that the first and the second modes explain more than 90% of the signal within the basin. But then, if you look at the variance, variance one, variance two, if you sum them up, you notice that river discharge explains, you know, there's an observed variability that rainfall does not account for in discharge. That's expected for a place like the Congo Basin because of, you know, human activities like deforestation, you know, surface water development and other activities going on. So essentially what I'm trying to say is that it is not just rainfall that drives the discharge in that basin, okay? There are other drivers. So, but one interesting thing about this is that during the periods where rainfall varied less, as in the start of the century and the last climatological period, where even in a recent study we observed drought, I noticed that the difference between the observed variability actually widened. It was relatively higher, as in the observed variability between discharge and rainfall was relatively higher compared to the 1960 period where you had, you know, increased rainfall in the basin. And so this is just to give us a very quick look at the direction of rainfall and river discharge in the basin. And using cumulative departures, monthly cumulative departures of rainfall and discharge, you can see that we did before the 1940 period, you can see there was a kind of anomaly there, where rainfall increased and river discharge, you know, was like going down. And then you can also see in the last period that rainfall has shown a more or less significant decline while the river discharge is increasing. So that led to me having a look at
having a look at the spatial patterns of total annual rainfall. So here, what happened is that each grid of the rainfall was summed up, and then the trend was estimated. You can see that in 1981-2000 period, 2001-2013, you see that within the central part of the basin, there's a decrease in rainfall, while you have increase in the other part. And then you can also see, I also had to bring that out, the 1960 period and 1963, where there was so much rainfall in the basin. And apart from that, I also had a look at the trends in maximum rainfall distribution. So it's still obvious that during the period, in the period 2001 to 2013, some parts of the basin had increased, but this other place still had significant decline. And there's one thing I'd like to point out, is that, you see, when you go back to the previous slides, the annual amplitude, which is the rainfall in the southern catchment and the northern catchment, that is the rainfall that controls the discharge. And so whatever happens to the rainfall in those areas, it's actually a big deal. So it doesn't really matter the increase in some locations for the southern catchment and the northern catchment, where you have more than 50% of the rainfall, more than 50% of observability in those regions. That is where, that's the part of the basin that is really being impacted by discharge. So here is just some latest results from our new study. This is just to show that it doesn't matter the hydrological indicator you use, whether you use standardized precipitation evapotranspiration index or you use standardized precipitation index. Drought frequency has increased in the last climatological period, as you can see from there. Now, apart from that, because of this drought, there has been a change in the hydrological regime of the Congo River. If you look at the start of the century and when we had so much rainfall, you could see more variability was being explained, unlike this last period where there seems to be a change after 1994. And from our study, we found out that over the entire period, starting from 1901 up till this last period, that there was more than, like in the first climatological period between 1901 and 1930, more than 50% of the basin was affected. And that is the period where we had one of the lowest total variability observed in rainfall. Now, in this last climatological period, about 40% of the basin was affected. And that's the period we had about 55% of the total variability accounted for in rainfall. Now, you can see those periods where the rainfall, where there was so much rainfall, where there was a strong anomaly in rainfall, those periods, like you can see some of the arrows there, those are the periods where the basin was relatively wet. And so I wouldn't like to take much of your time. I'd like to conclude with this. Previous rainfall, if you're referring to 1931-1990 period, yes, it has varied more compared to the last period. Then number two, I found observability in discharge that were not accounted for by rainfall. And so that raises the question of, you know, other drivers of hydrological variability within the Congo Basin. I don't know much about the Congo Basin, but from the little I know, I'd like to say, given the fact that the Congo River itself rises from Zambia and the Tanganyika axis, there are pertinent questions we should be asking. Does the climatology of the neighboring East African countries contribute to the hydrology of the Congo Basin? This is very important for me, and I would like to get answers in the course of this particular program. I don't so understand much about the hydrodynamics of the Congo Basin, but I can tell you from some of my published papers that we are already at the threshold of complex hydrological processes because of, you know, the various human activities going on in the Congo Basin, like the deforestation, for example. Deforestation will lead, to
decline in evaporation, and then from evaporation, you're going to have heat low, and then from heat low, it leads to reduced precipitation. So actually, the Congo Basin is actually a web of hydrological, so many hydrological activities that becomes on so many questions. So we have to start thinking about where is the water coming from, because the river discharge, rainfall is not accounting. I mean, rainfall is not accounting for all of the observed variability in the discharge. So where is the other water coming from? So we have to start looking at the neighboring East African countries, Zambia, the Tanganyika axis, and the rest of other regions. So now, the hydrological regimes of the Congo River changed after 1994. So that tells us about the impact of drought, what drought can do. And from the time series I've shown, after 1994 period, something really happened. And the results are actually consistent with quite a lot of some recent publications that came out of the basin itself. So these are some of the things we have to start looking at. Then the Congo Basin is getting drier because of drought and negative trends, but spatially. If you look at where most of the rainfall comes from, it's actually getting drier. And from the times, from our SPEI time series, it's showing that the Congo Basin is indeed getting drier. So yes, rainfall has varied less. If you're referring to a baseline of the post-1930 period and pre-1990 period. So finally, other key secondary drivers of hydrologic variability exist in the Congo Basin. And I want to say thank you for listening. Thank you for having me. That's all from me. Thank you. I think we'll have time for one or two questions. Do we have any questions? Hi, Christopher. I'm Yen from University at Albany in New York State. So thanks for your talk. I'm a little curious about your data set of the discharge. So I wonder whether it is from observation. Oh. Thank you. Thank you very much. The discharge is actually from the archives of the GRDC. I hope you've heard of GRDC. Like I made a lot of assumptions when I started. And so yes, it's from GRDC, and it's still because people like us really have problem accessing the in-situ archives of data from the Congo River Basin. Thank you. Thank you. Yeah. One more question, or? So again, after this question, we'll move on to our last speaker. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors effectivement, je vois certaines convergences et divergences avec nos observations de terrain. Effectivement, en 94 ou 95, on peut observer une modification de l'hydraulicité du fleuve Congo à Brazzaville et Kinshasa. Et effectivement, dans le nord du bassin, dans le fameux bassin de Lubangui, il y a des problèmes de sécheresse accrue que l'on peut observer. Mais d'après justement les résultats que j'ai montrés sur les débits, on voit qu'il y a une reprise de l'hydraulicité des débits des principaux cours d'eau qui entourent la cuvette centrale. Et cela m'amènerait plutôt à suggérer une reprise de la pluviométrie, bien que l'on n'ait pas vraiment de données de terrain actuellement pour le confirmer. Voilà, c'était et puis l'impact de la pluviométrie sur le pourtour du bassin, je ne pense pas qu'elle soit aussi importante que celle au centre même du bassin. Enfin, je laisse peut-être ma parole aux climatologues spécialistes dans le domaine, comme Sharon ou Gilles, pour peut-être commenter ce phénomène. I'm sorry, Alain, but I only understood part of your question. Were you asking about the difference between the northern and the southern basin?
Okay. It's true that most of the area in the Central African Republic responds the way that the Sahel has. And the changes in that region have been very, very different than the changes in the basin itself. Quite often they're of a different sign. Also, the seasons involved are very different. But there's another issue here, too. And I was going to save this for the overall discussion. But the problem is, there really is no reliable rainfall data since around 1995. I have tested satellite data. I have also taken, I've created a new data set that I think is a bit of an improvement. But even with satellite data, even with the new data that I have, I think we have to be very, very cautious in any conclusions we make about rainfall in the Central Basin itself since around 1995. But yes, what you were saying is definitely correct, that it's very different in the Congo Basin than up to the north. And I'll talk a little bit about the reasons for that later. Yeah, thank you. Yeah. All right, let's thank our speaker one more time. So we have one more talk now focused on, again, the variability. This is using wavelet analysis for stream flow behavior in the Congo Basin. So I'll turn it over. Download it. And I'll point out, our session was perfectly on time with the instructions we started with. So Doug threw us a curveball. So 10:15 to the minute almost. For we are on African time. Yeah. So. Bonjour à tous. Puisque Doug nous a fait le plaisir d'organiser une traduction, je vais parler en français. It's not usual for me to speak my talks in French, but today I would do an exception. Déjà, un grand merci à Doug et à tous les organisateurs pour l'invitation. Je veux dire, c'est presque la première grande conférence sur le Congo. Il faut juste rappeler qu'Alain Larac, il y a quelques années, avait organisé une conférence à Brazzaville sur le fleuve Congo, mais qui n'avait pas pu avoir un auditoire aussi élargi dans tout le monde anglo-saxon. Donc c'était une conférence sur le fleuve Congo qui avait lieu à Brazzaville, bien organisée par nos collègues. Mais c'est la première fois que toute la communauté est réunie sur le fleuve Congo. Je vais vous présenter quelques résultats, mais je vais essayer d'aller assez vite, que Jean-Marie m'a envoyé cette nuit. Okay, j'ai travaillé un petit peu. Je vais surtout insister sur les petites différences qu'il peut y avoir par rapport au travail qu'a présenté Christopher, parce que Jean-Marie a travaillé à partir d'un fichier de données qui s'appelle CIREM, S-I-R-E-M, et qui est disponible gratuitement sur le site d'Hydrosciences à Montpellier, qui est un fichier qui est basé sur toutes les stations pluviométriques qu'on a pu recueillir au laboratoire au fil des années de travail, en particulier dans le programme FRIEND. Et puis le fonds de données de l'ORSTOM, qui était anciennement le nom de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
qui est français. Ce fichier CIREM propose des séries de données uniquement au pas de temps mensuel. Donc j'ai vu que Christopher a travaillé au pas de temps journalier, ça on ne peut pas proposer de séries opérationnelles au pas de temps journalier parce que c'est un travail qu'on trouve un peu trop fastidieux et on ne peut pas mettre à disposition les données journalières. Donc ce sont des données brutes qu'on ne peut pas mettre à disposition du fait des accords qu'on a avec les services nationaux. Donc on a créé un fichier au pas de temps mensuel, une grille de données qui couvre toute l'Afrique de 1940 à 1999. Mais si vous allez sur le site de CIREM, vous verrez qu'il y a des données avant 1940, mais on ne les a pas utilisées parce qu'on a choisi une méthode différente de celle du CRU pour ce fichier, puisque pour chaque mois, on a fait une interpolation à partir des données existantes, alors que le CRU se base sur la référence 1961-1990 pour recalculer les anomalies et tracer les champs de pluie associés pour chaque année. On a préféré commencer à partir de 1940 et ne travailler que sur des données observées à chaque pas de temps. Donc, ce qui nous fait une petite différence avec le CRU, et on a travaillé ensemble, puisque j'ai passé un an au CRU, donc on a échangé sur nos façons de faire pour qu'on puisse avoir deux fichiers différents. Et ce qui va donner peut-être quelques petites différences dans les résultats avec ceux de Christopher, puisque le fichier CIREM possède beaucoup plus de stations que le fichier du CRU. Et ça, c'est un article qui est en cours de soumission. On en parlera peut-être pendant les discussions. Juste une aparté, à 13h30, on démarre la session sur le Tropical Rain Belt. Et donc avec mon collègue Georges Noël, Luganjo, qui est ici, et puis Ajay Raghavendra, qui est from Albany University, s'est proposé de nous aider à faire le secrétariat de session. Donc on sera tous les trois pour discuter. Donc, je voulais encore juste un point, mais je vais venir très rapidement aux résultats, mais je voulais les replacer par rapport aux résultats de Christopher. Christopher a montré, moi je trouve, trois composantes qui sortent. C'est la première, c'est le balancement nord-sud des pluies, qui est lié au mouvement annuel de la zone de convergence. La deuxième composante, c'était la mise en évidence d'une une variabilité qui est plus liée à la partie sud-est du bassin, donc probablement liée aux entrées d'air de l'océan Indien. Donc s'il y a une variabilité qui vient de l'océan Indien, elle devrait être visible sur la haute Lualaba. Et la troisième composante, qui était la plus faible, autour de 4 à 5%, était à peu près positionnée sur les plateaux batéqués. Donc là, complètement en relation avec la mousson d'Afrique, la mousson atlantique, mais plus particulièrement sur cette zone qui est proche de l'océan Atlantique, qui couvre le Gabon, le sud Cameroun et le Congo-Brazza, où on a un régime pluviométrique qui est très spécial, qu'on ne retrouve pas sur le reste du bassin du Congo. Et il se trouve que naturellement, c'est une zone où les débits sont totalement tamponnés par les plateaux batéqués. Donc cette variabilité des pluies ne se retrouve quasiment pas dans les débits. Donc c'est une zone dont la variabilité des pluies a très peu d'incidence sur le débit du Congo, en tout cas à court terme. Donc ça, je voulais rappeler ces trois résultats parce qu'ils sont importants sur notre façon de suivre l'évolution des régimes pluviométriques et leur impact sur les débits des différents bassins du Congo. Donc, une fois que j'ai replacé tout ça, je vais venir assez rapidement sur les résultats de Jean-Marie Chitenge. Donc, pour bien rappeler, CIREM est une base de données à la résolution spatiale du demi-degré carré, comme le CRU. Il y a 1325 mailles pour le Congo. Bon, il a utilisé quelques autres données pour faire des calibrations, mais je ne vais pas venir dessus. Le bassin du Congo, tout le monde le connaît.
Les cinq entités sur lesquelles Jean-Marie a cherché des résultats, on s'est accordé avec Alain Larac là-dessus. C'est le bassin de Lubangui, le bassin de la Sangha, la Lualaba, le Kasaï, et puis le bassin du Congo à Brazza, ou ici c'est Brazza ou Kinshasa, ça dépend. Donc l'analyse spectrale, donc plusieurs types de travaux à partir de ça, le spectre global en ondelettes, ensuite l'analyse par ondelettes de série, la cohérence entre deux séries et la décomposition. Je vais passer rapidement. Ça, c'est le mode de variabilité global pour les débits mensuels du Congo à Brazzaville, avec un mode de variabilité de 2,9 ans sur la période humide entre 1960 et 1970, et une variabilité de 5,5 ans entre 70 et 90, donc en période sèche. Donc ça, c'est l'analyse globale des débits. Ensuite, si on vient sur les... des stations qui composent le débit, donc à Ilebo, donc c'est le Kasaï à Ilebo, donc avant Koutoumoké, c'est une partie plus amont du bassin, une variabilité, là aussi toujours une période humide, une période sèche, une période humide disons jusqu'aux années 70 et une période sèche après, mais avec des dates de limite qui peuvent varier un peu. Et là, une variabilité un peu plus grande de 6,6 et 12,4 ans pour les deux périodes. Pour Bangui au nord, on retrouve 6,9 et 16,9 pour la partie plus sèche. Pour la Sangha à Ouesso, on a de nouveau 2,9 ans et 5,5 ans. Ce qui nous fait, on commence à voir arriver un certain nombre de périodes communes sur les différentes parties du bassin. Et ça peut être un peu surprenant, on a des correspondances entre Ilebo et Ouesso, qui sont à l'opposé. Mais comme le faisait remarquer Sharon Nicholson tout à l'heure, il y a une variabilité sahélienne qu'on retrouve dans la partie sud, en tout cas. Il y a un mode de variabilité qui semble être commun entre la partie nord et la partie sud du bassin autour du balancement de l'ITCZ. Si on en reste sur la partie du Kasaï, c'est différent sur la Lualaba. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur ces résultats dans le détail. Ça, c'est l'origine de la variabilité des débits sur le bassin du Congo. Donc ça, c'est l'étude des pluies. Donc c'est la variabilité globale des pluies. Là également, on retrouve bien une variabilité avec une première rupture à la fin des années 60. Mais on retrouve le signal un peu plus tard. Donc comme l'a montré Alain, ça correspond à une période de débit un peu plus faible. Et puis ensuite, on retrouverait une variabilité qui serait plus proche de celle qui précédait les années sèches. Donc on retrouve dans les pluies un signal qui se rapproche de celui des débits, à l'échelle globale encore une fois. Sur le Congo à Kinshasa, donc globalement, il y a une bonne cohérence dans les pluies régionalisées à l'échelle du bassin du Congo à l'échelle annuelle. Pour le mode de variation de 2 à 8 ans, il y a une bonne cohérence jusque dans les années 80 et ensuite une cohérence un peu moins bonne après les années 70. L'origine de la différence, ça peut provenir d'événements anthropiques sur le bassin, de la déforestation, et ça, c'est à voir. Il y a très certainement un point fort qui est lié non seulement à la qualité, mais à la quantité d'informations disponibles. Est-ce qu'on a suffisamment de stations de pluie observées pour décrire correctement l'évolution? Ça reste une question assez importante à trancher. Et il y a beaucoup de fichiers de données de pluie comme TRMM et d'autres qu'on va commencer à étudier pour voir s'il y a une information un peu plus fiable qui sortirait de données satellites plus récentes.
Bon, je ne vais pas détailler ces informations-là. Je pense qu'on va les rendre disponibles pour tous, tous ces résultats. Donc, on pourra les partager. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Si on veut rappeler, si on fait un tableau de corrélation croisée, on a pour la bande de 2 à 16 ans des corrélations qui sont assez bonnes, une cohérence moyenne qui est assez forte entre les différents bassins. Je vais arriver directement à la conclusion. Donc, au terme de cette étude, à partir des données sur ondelettes, sur des données qui s'arrêtent en 1999 pour la plupart, Jean-Marie a observé que l'évolution à long terme des débits suit majoritairement celle observée dans les précipitations, suivant les différents bassins, avec une rupture majeure autour de 1970. C'est quelque chose qu'on observe assez communément sur l'ensemble de la région, de la zone africaine, et puis une similarité dans les modes de variabilité entre les débits et les pluies, c'est plutôt intéressant. Une cohérence moyenne entre variabilité des pluies et débits qui est relativement bonne, entre 56 et 72%, mais d'autres processus joueraient également. En particulier, on peut noter la perte en eau souterraine, qui va probablement influencer la réponse du signal débit par rapport à la pluie, mais également une variabilité qui pourrait être un peu différente dans la partie haute Lualaba, du fait d'un impact de l'océan Indien. Une très forte influence d'origine climatique dans la structuration des débits, évidemment sur un an on s'y attend, mais sur 2 à 8 ans, donc il faudrait voir quel signal pourrait être associé à ça. Et puis une cohérence entre les débits analysés, quelques indices climatiques, je ne me suis pas attardé dessus, mais on retrouve une cohérence entre la variabilité globale des pluies et des débits et puis celle de certains indices climatiques connus, quoi. Mais ces résultats, je crois qu'on les mettra à disposition et vous pourrez consulter ça librement plus tard. Donc c'était... Pour finir, cette présentation, je l'ai plutôt axée sur un complément de ce qu'a présenté Christopher à partir d'un autre jeu de données et où on voit apparaître un certain nombre de similitudes et en même temps de régionalisation qui semble intéressante pour la suite des discussions. Merci. I hope it was... understandable from the translation. Perfect. Okay. The translation has been excellent. It's very easy to follow all of this. So we'll take one question, and then we're going to break into our posters and our break period. So we have about an hour for that. We're going to come together for the discussion. And Doug, is the discussion in 2 places? Okay, so we'll be in 2 areas, and we can talk about that after the break. But we're going to have an hour to be at the posters, ask questions, and, you know, get together as a group here. So we'll take 1 question, and then we're going to take that poster break period for an hour. So 1 question. We haven't heard from... Yeah, go ahead. Yeah, someone new. First of all, thank you for this opportunity for questions. My name is Rong Fu. I'm coming from UCLA. And it's very nice to see such a long record of river gauge data and also rainfall data. But over these data span over many decades, how do changing of instrumentation and the measurement approach affect the uncertainty of these river flow and the rainfall measurement, and how do they influence the relationship, as you've shown, between river discharge and also rainfall? In addition, since the 70s, we know that the global surface temperature has been increasing rather rapidly. And given the fact that Congo river discharge is a residual of the precipitation minus evapotranspiration,
how do changing of temperature affect evapotranspiration? How does such change, if it actually happened, influence the river discharge? Okay, merci. Donc vous me posez deux questions. La première sur la qualité des données et l'influence que ça peut avoir sur les résultats. Et la deuxième sur l'impact de l'évaporation sur le bilan hydrologique du bassin du Congo. Sur la qualité des données, jusque dans les années 80, au début des années 90, les mesures ont été effectuées par les services nationaux, assistés par des chercheurs de l'Orstom pour la plupart des pays, sauf dans la partie RDC, où à partir de la fin des années 70, il n'y a plus de mesures du tout. Donc les données de débit sur les années post-1970 proviennent d'une reconstitution du bureau d'études français BRL, dont Alain a parlé. Pour toutes les données de débit, elles ont été complètement contrôlées jusque dans les années 90. Pour les années récentes, elles sont soit issues de stations qui sont toujours bien contrôlées par le programme, entre autres par le programme IBAM, mais aussi tout est supervisé par la SICOS et les différents services nationaux. Pour les stations de pluie, là, la qualité, elle est gérée par les réseaux nationaux eux-mêmes. On récolte l'information pluviométrique et on procède uniquement à un contrôle de qualité. On cherche les incohérences par rapport à un certain nombre d'indices. Sur les séries de pluie. Mais la qualité des données de pluie initiales provient des réseaux nationaux eux-mêmes. Les fichiers qu'on présente ici sont des fichiers sur lesquels on a donc effectué un certain nombre de contrôles de qualité. Ce ne sont pas des fichiers de données brutes. Sont des fichiers sur lesquels on a travaillé l'information. Voilà. Donc ça, on pourra toujours en discuter entre nous. Mais l'information brute est toujours disponible dans les services nationaux si vous souhaitez l'avoir. Et l'incidence de la qualité des données sur le résultat, elle est ni plus forte ni moins forte qu'ailleurs. Je dirais probablement même un peu moins forte sur cette région. Jusque dans les années 90, on est assez sûr des données qu'on utilise. Pour ce qui concerne l'influence de l'évaporation sur les débits du Congo, effectivement, ça doit être très important, même si je crois qu'on est à une augmentation de 0,5 degré au cours des 50 dernières années, à peu près, en moyenne. L'influence sur le régime doit être assez importante. Je ne sais pas si Raphaël Chimanga a étudié ça déjà avec son modèle hydrologique. Si Raphaël peut-être pourra nous en toucher quelques mots à un moment donné sur l'influence des changements d'évaporation sur les débits du Congo. Ça a sûrement une importance, mais personnellement aujourd'hui, moi je ne peux pas vous répondre là-dessus. J'espère qu'au cours de nos discussions, on pourra avancer sur ce point-là. Merci. Okay, thank you. And so with that, we're going to stop the oral presentation period. And again, I'd just like to thank our three speakers. The presentations were outstanding. And so now we're going to get together outside and look at the posters and get a chance to talk.
sometimes I quote a project proposal for the WMO. Or they have Congo IOS, which is ideological and Congo IOS. Unfortunately, no one. Only 6 to 10 million US dollars. Only. But I said, the design of the station. Bon. Tu veux la retirer. It was a tradition last century. The other engaged to it. And you have a lot of people that still continue to be on the field. Take a decision, is it increase or decrease in the rate for it? As I said, for example, in year one, I got a lot of rates of data. But in the central part, nothing. Nothing. Okay.
Thank you.